La direction des affaires culturelles de la ville d'Aubagne regroupe 5 services. Et notre ambition depuis un an et demi, c'est de faire un travail très transversal autour de la médiation culturelle. En effet, on observe depuis la fin du 19e un déphasage entre certains publics et puis certains courants artistiques, quels qu'ils soient, en musique, en art plastique, en littérature, en peinture. Et pour nous, cette exposition Hans Hartung à Aubagne, c'était une merveilleuse occasion de mettre en synergie un travail transversal entre ces 5 directions, médiathèque, conservatoire, ville lecture, centre d'art et le théâtre Comédia, bien sûr. Alors après, comment on s'y prend pour faire tout ça? C'est ambitieux, sur le papier tout fonctionne bien, et après c'est beaucoup de temps de travail, beaucoup de réunions pour imaginer ce qu'on va mettre, ce qu'on va faire, ce qu'on va rendre accessible. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de rendre plus clair le message d'Hartung. Un message qui peut paraître, il est abstrait en peinture, on parle d'abstraction lyrique. Donc lyrique, nous musiciens, ça nous interpelle et tout de suite on va créer des liens. Créer des liens avec les publics qui vont venir voir l'exposition, mais pas que. Aussi les artistes amateurs de la ville, les étudiants en musique, les personnels des services, les publics de la médiathèque et du théâtre aussi. Donc toute une série de médiations transversales de manière à rendre plus clair, s'il ne l'est pas, le message du peintre Hartung à travers différents moyens relationnels, la musique tout simplement. Évidemment, il y aura de la musique contemporaine dans cette exposition. Il y aura aussi des temps consacrés à Jean-Sébastien Bach, puisque Hartung, nous a-t-on dit, peignait beaucoup en écoutant du Bach. Donc les liens sont tout trouvés. Voyez. Après, monter tout ça, le rendre, j'allais dire, ludique. Oui, ludique, accessible, vivant, convivial, de manière à ce que l'émotion transmise, parce que c'est très fort, les peintures d'Hartung sont très fortes, et cette émotion, on va essayer de l'exacerber, de créer du lien entre les publics et ces peintures de Hartung.